Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis dans l'avion et qui je vois? L'honorable Francis Calombo dans l'avion. Honorable, bonjour. Bonjour. En tout cas, moi personnellement, je suis en partance pour Kinshasa dans le cadre de l'événement de Wenge. Alors si aujourd'hui je veux vous interviewer, c'est par rapport à ça aussi, d'autant plus que vous êtes un grand mécène de ce grand groupe mythique de la RDC. Mais aujourd'hui, il se passe un problème à l'Est, comme d'habitude. Il y a une guerre pendant que le 30 juin, ce concert devrait normalement avoir lieu. Il y a d'aucuns qui disent qu'il ne faut pas qu'ils jouent et il y a des autres qui pensent qu'ils doivent jouer parce que c'est leur métier. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? C'est beaucoup, je crois qu'ils doivent jouer, ils ne doivent pas jouer parce que ça sera une fête. Mais justement, il faut qu'ils jouent pour sensibiliser et la population et soutenir nos partisans. Vous savez, les gens peuvent parler, mais on voit la guerre en Ukraine. Il y a des concerts qui se passent en Ukraine justement pour soutenir les militaires. Eux aussi peuvent profiter de tout ce qu'ils ont. Ils ont quoi comme les musiciens du Wenge n'ont que leur voix. Ils ont que ça et ils peuvent profiter de cette occasion, surtout que ça tomberait des 30 mois. Et lorsqu'ils ont décidé de faire ces concerts, je crois que l'Est, c'est vrai, il y avait du bruit de troubles, mais cette prise par l'armée rwandaise n'est pas encore eu lieu. Maintenant que ça a eu lieu, je crois qu'ils doivent profiter eux aussi pour que ce jour-là, ils puissent aussi sensibiliser, encourager nos militaires et surtout le peuple congolais qui souffre, surtout ceux de l'Est et ceux de partout qui souffrent. Et ça sera une occasion, c'est une belle occasion. Moi, je crois que ça ne sert à rien d'annuler ces concerts. Au contraire, il faut faire ces concerts et profiter de ces concerts pour essayer d'aller. On l'a vu à l'époque du musée Laurent-Désiré Kabila, où on a fait appel aux musiciens lorsque le pays était agressé aussi, une fois de plus, toujours par ces mêmes armées rwandaises et ougandaises. Donc, le musée a sensibilisé nos musiciens. Ils ont chanté et ont utilisé ça comme argument de manière à pouvoir sensibiliser. Donc, moi, je peux que encourager et demander d'ailleurs à nos artistes de donner le meilleur de même pour cette journée du 30 juin, pour que ça soit une réussite, mais dans ce sens-là, de pouvoir sensibiliser, puisque c'est vrai, le choc est arrivé. Donc, il ne faut pas comparer les deux. Youssoupha, bravo, coup de chapeau. Il a annulé son concert et il l'a fait parce que lui devait aller jouer avec Egali. C'était insensé. Voilà. C'est impossible. Donc, il ne faut pas comparer les deux choses. Mais au contraire, là, c'est à Kinshasa. Et là, nous voulons quand même que le musicien, nos musiciens, les artistes puissent faire la même chose et être même accompagnés. Et d'autres artistes peuvent aussi. Coup de chapeau à Fali. J'ai vu que Fali est allé au camp. Il a apporté le soutien qu'il a apporté à Fabrice. Mais les soutiens peuvent être de diverses manières, de par les autres besoins, que ce soit des finances, mais surtout de ce soutien de la population. Et je pense que le Wenge Music ABCBG 4x4 savent le faire. Et je suis sûr et certain qu'ils le feront. Ils n'ont même pas besoin de nos conseils, mais ils le feront. Et je pense que ça serait une très très bonne chose pour le Congo, puisqu'ils sont des artistes, ils n'ont que ça. S'ils ne chantent pas, comment ils feront savoir leur soutien au Fardessé, leur soutien à la population de l'Est qui souffre, parce qu'il n'y a pas que le Fardessé, mais il y a toute cette population qui aujourd'hui est en train d'errer et qui a commencé à souffrir depuis des années. Et nous devons profiter pour qu'une fois de plus jamais que cela puisse revenir. Il faut que le peuple se mette debout partout où est le peuple congolais. Mettons-nous debout pour que le Rwanda et l'Ouganda arrêtent de nous abdiquiner. Nous devons profiter de cette occasion, cette dernière agression, pour que nous puissions rappeler au monde entier qu'il y ait des femmes enterrées vivantes, qu'il y ait beaucoup de méfaits dans ces pays. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres de ma main d'accord avec vous, de mon côté. J'en sais quelque chose. J'étais en Italie, partout. Je crois que sans l'armée étrangère, sans les personnes du Rwanda ou de l'Ouganda, la République de Kachin pouvait vivre en paix. Nous sommes habitués à vivre en paix. Mais je crois qu'il faut qu'on profite, qu'on continue à sceller sur ces deux pays pour qu'ils nous restent vraiment tranquilles. Et ça, c'est l'occasion qui nous est donnée. Le Rwanda nous a donné une occasion de pouvoir nous retrouver ensemble, que le Congolais puisse être uni. N'allons pas dans les... Mon frère Musique et Pinus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h.
Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. L'église Source du Salut et JC Ministry organise un grand séminaire samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet. Cet événement se tiendra dans la salle Birmingham Event de 14h30 à 20h. Comme thème, Accélération divine, ma nouvelle saison. Cet événement sera conduit par l'éminent serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco, le jumeau de Bruxelles, l'apôtre Jean-Clément Diambilay de la RDC, et l'éminent serviteur de Dieu et conférencier, le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Pendant ces deux jours de séminaire, nous serons bénis par la louange et adoration qui sera donnée par nos worship leaders, la sœur Sandra Mbouyi, l'évangéliste Thomas Le Coffé, Jonathan Gambela, Fiston Mbouyi, Jonathan Matanda, Lidin Tseya et la JKGD and Family. C'est une nouvelle saison qui commence. L'accélération divine, ta nouvelle saison. Puisqu'il profite lorsque nous sommes divisés. Il profite lorsque nous nous rentrons dedans nous-mêmes et il profite. Mais souvent on vous dit, vous les politiciens, vous allez signer les présences chez Kagame, il y a Moïse Katumbi qui va là-bas, il y a tout le monde, tous les politiciens, on le voit à profit, il a dit une fois, il a rencontré, je ne sais pas si vous, si Moïse Katumbi, vous allez tous voir Kagame pour répondre à ces invitations là-bas. Écoutez, quand nous allons à Kigali, moi j'ai accompagné Moïse Katumbi à Kigali, nous sommes allés, il y avait cette grande rencontre qui se passe dans plusieurs pays du monde Ibrahim. Les gens doivent savoir lire, et quand on est au Rwanda, on a visité, nous l'avons visité, nous avons vu tout ce qu'on a vu. Donc non, nous on n'est pas allé au Rwanda pour aller saluer ou demander quoi que ce soit. Nous sommes allés dans ces cadres-là, le mot Ibrahim, et c'est pour ça que nous avons participé, puisque Moïse a toujours été invité, il était en Côte d'Ivoire, un peu partout, lorsqu'il y a des activités. Donc, ça n'a rien à voir. Si certains y vont, le Rwanda c'est le pays voisin, c'est notre pays voisin. Vous avez beaucoup de Congolais qui vivent au Rwanda, tout comme en Ouganda, il y en a plein. Comme beaucoup de Rwandais vivent à République démocratique de la République démocratique. Sauf que ce qui se passe avec le régime n'est pas d'accord et nous ne pouvons pas être d'accord. Pas avec le peuple rwandais qui est le peuple rwandais avec qui nous avons des très bonnes relations, à notre population. Mais je pense que le régime en place n'est pas un bon régime, un régime hypocrite qui joue l'hypocrisie tout simplement pour nous enquiquiner. Et nous devons nous unir, nous devons nous tout faire pour faire en sorte que plus jamais ça, que le Congo puisse au moins une fois avancer. Mais arrêtons nos polémiques. Arrêtons de nous montrer de voir entre nous. Le pays est adressé par les étrangers. Si entre nous nous commentons à nous quereller, et c'est là où le voisin profite, c'est là où l'adversaire profite. Tout prendre en République. Je crois qu'on a fixé la réunion pour se voir dans votre résidence pour en parler un peu parce que j'ai beaucoup de questions qui ressortent et je crois que l'endroit n'est pas approprié pour le faire. Encore une fois, merci madame pour avoir accepté cette interview. C'est bien net, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate ? Prenez vos médicaments. En même temps, prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Événement Double Esprod présente MPR. Numéro 1 de la musique urbaine en République démocratique du Congo. En concert à la Cigale de Paris le vendredi 8 juillet 2022. MPR se produira sur scène pour la toute première fois en Europe. Une seule date à retenir, le vendredi 8 juillet 2022 à partir de 19h. Le duo congolais vous promet un spectacle haut en couleur, à ne surtout pas manquer. La billetterie est d'ores et déjà ouverte et disponible dans tous les points de vente habituels. Pour plus d'informations, contacte double s.prod12@gmail.com.